Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2, épisode 10, 11, je sais plus, je suis complètement paumé. Donc on a l'hôpital Sainte-Marie, l'hôpital des Lucioles, avec Ellie. Et je pense que, voilà, elle veut savoir la vérité. Donc est-ce qu'on va revoir, je sais pas, le médaillon de Marlène ou quoi, je sais pas. Mais bref, on est de retour ici, ça fait très très bizarre. Peut-être elle va avoir des flashbacks ou j'en sais rien. Vous avez laissé tout un tas de trucs. Yes. Ça fait bizarre de revenir là du coup. Mais c'est excellent. C'est excellent. J'allais dire peut-être les notes de Marlène. C'est quoi ça? C'est toi, Sally. Infection clairement mutée, voyons sur les résultats de l'examen. Corroborne, théorie, c'est du lourd. Ouais, c'est toi, Ali. C'est le cours de l'histoire. Nine. Alors du coup, elle va savoir la vérité, là, peut-être. C'était là, ici. La salle d'opération, c'était là. Ah, encore une note. Ça me fait bien quand tu rien. Je peux croire que vous avez. Ouais, comme disait Nora avant de crever, les Lucioles, normalement ça n'existe plus. Normalement. Tiens, tiens. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Putain, c'est bizarre. Ouais. T'as cette ambiance, bordel. Cette ambiance. La plupart des gens sont déjà partis. Je sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne. Ah. Allez! Complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici.
Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Dis-le. Allez, dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Bon, il lui a dit la vérité. Il lui a dit la vérité. Ouais. Au moins, voilà, elle le sait, voilà, c'est... On se doutait qu'elle allait lui dire, mais bon. Fallait qu'on le voie, quoi. Ah, putain. Ce jeu, bordel, ce jeu. Ce scénario. Bon. Là, je pense qu'on va tomber de plus en plus sur les scars. Séraphite. Dina? Jessie? Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. C'était ça avec Curtis et Viper 4. T'as les noms. Y'a rien à foufou, y'a rien à fouiller. Jessie. Moi je veux des objets moi. Tu vois là, on peut y aller là, tu vois. Faut regarder mon ami. En fait je reviens au même endroit je crois. Ouais. Ok. On peut passer là-dessous. Ça sert à rien, mais on passe en dessous, y a pas de soucis. Mais ouais. Ok. Bon, attends, au niveau du stuff, on est comment? Ah, je peux pas regarder là. Ils sont où tous les deux? Vous voulez que je vous fasse une petite chanson? Non, 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 non.
Ah, on arrête les conneries. Ouais, ils sont où les deux là? Voilà, ça va pas fort. A eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Je sais pas quoi m'attendre là en fait. Salut. Tu viens de fermer la porte. Ok. Elle est vraiment enceinte ou elle est malade en fait? Parce que là, ça devient chelou. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Au niveau du stuff, on est bien ou pas? Tiens, viens m'aider. Un petit mot de tordre. Quand j'ai plus de flèches. Et moi je veux des flèches. Ok, vas-y. Dina. Qu'on espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. L'aquarium, c'est une base Wolf? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. Joël s'est brouillé. Avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant.
Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de... la marchandise. Une bagarre a éclaté et il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. La raison, elle est pourrie, hein. Un peu pourri la raison là. Ouais. Encore un mytho ça. Je pense. Par contre c'est cool en fait, on est avec plein de coéquipiers différents. Dina, Joël, Tommy, Jesse. C'est cool, ça change. En vrai, j'avais envie d'aller à gauche. Hein. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ah, il y a quelque chose. Bon, j'ai trois coups que ça, trois coups que ça. On va garder ça. Allez viens mon petit Jesse. En route. Pourquoi on a plusieurs briques là? Moi, je veux bien péter les carreaux mais... des balles. C'est bien ça. Est-ce que j'ai des assez de trucs là? Non, je n'ai plus assez. Ah si, je peux faire ça. Confection des flèches explosives, on va faire ça. Ça peut être stylé ça, merde. Déjà, faut que j'arrive à avoir des flèches. Ça serait déjà pas mal. Je vois de la lumière par là. C'est coincé? Bah là c'est ouvert. Ouais. Quoi, je m'en fous de la merde à Jackson après ça? De forte chance. Comment ça? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Yes, des pièces. J'aime bien les pièces. Combien de temps Dina est malade à ce point? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolf. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Ouais, on peut faire des flèches. Oui. Est-ce qu'on fait de l'explosif ou des normales? Ils iront faire une pour le délire quand même. On en fait une quand même. Attends, on va les fouiller là-bas avant. Attends, il y a encore des trucs là-bas. Ou pas. Ah si, un établi. Une carte. Et des suppléments. Alors en vrai, ce que je peux...
craft un truc. L'arc, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce qu'en vrai, l'arc ça va, j'arrive à peu près à le maîtriser. L'arc ça va. Donc ce que je devrais améliorer, ce serait plutôt quoi? Peut-être la cadence de ça. Ouais, plus la cadence de ça, je pense. La vitesse de rechargement, il stockait plus de munitions. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Bon, faut que je fasse gaffe à pas faire des épisodes trop longs, parce qu'après, moi, quand je fais mes rendus de montage, comme là, il y en a un qui est en route, c'est le sixième épisode, je crois. Au moment où je fais celui-là. Et j'en ai au moins pour 15 heures de montage. Ouais, juste pour une heure. Juste pour une heure de vidéo. Mon PC est pas assez puissant. Mais il fait le taf, donc je vais pas me plaindre. Mais bon, c'est beaucoup de temps. Et bah vas-y, on peut y aller. Hein. Ah ouais, je peux en mettre beaucoup plus là. Je peux en mettre que 3. Hein. Ah ouais, là on est sur 6 balles. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir du tout. Ok. Jesse? Tranquille quoi. Par ici. Sérieux? Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. C'était sûr. C'était sûr. Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre. On attend le reste des unités. Et on lance la. Mais la dernière fois, je ne te crois pas. Dingue d'être mauvais comme ça, putain. Qui arrive là. Viens gros, viens. Ça dégage. Il y en a encore un sur ma droite et en face, c'est ça. On est pas là. Yes.
Ramasse cette putain de munition, merci. Silencieux, bordel. C'est Wolf. J'en ai mis une belle aussi, mais putain, la sienne facile. Était là. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça, séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé? Non. T'as de la chance. Faire un silencieux même si on est mauvais, tant pis. En fait c'est super important le silencieux mais j'arrive toujours à me faire griller quoi, c'est ouf. Ouh, on va prendre ça hein. Oh oui, on prend ça. Empêche les impacts, comment tu les sens quand tu tires, c'est incroyable. Je trouve ça ouf. C'est pour moi ça. Ok. En vrai, je crois que j'ai plus utilisé ça que... Voilà. Ouais. Lui, il n'y a pas de munitions là, en fait. Ah. C'est difficile pour bien voir. Un seul œil, c'est... On sait jamais s'il y a un truc sur le camion. Bon, bah allez, hein, let's go. Qu'est-ce que tu caches, mon ami? Là-bas, on peut pas y aller. Non. C'est quoi le délire avec ces affiches? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aiment ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Eh bien, tu sais, viens. Tu disais? C'est trop calme. Tout à l'heure, au sujet de Dina, tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Moi, je sais pas, Dina, j'ai plus le délire qu'elle est infectée, en fait, ou un truc comme ça, tu vois.
c'est ça. Voilà quoi. Ouais, belle bécane. Attends, on dirait la moto dans Uncharted 4, non? Vous voyez quand il y a la course-poursuite Non? Peut-être que je me trompe. Elle ressemble vachement en tout cas. C'est un vrai bordel. L'aquarium. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que Tommy a les mêmes infos. J'espère que Tommy va bien surtout. Et merde. Quoi? Va falloir y aller à la nage. Oh non. J'aime pas quand on nage comme ça, j'aime pas. Bon. On va où maintenant? Ben, c'est bien là pour un petit pique-nique. Oh, attends. J'essaie de voir ça. Ici. Ok. J'ai entendu là, non? Ok. Et on peut y aller ou pas là? Oh putain. Rodeur ! Allez, pour un coup, on utilise des balles. Allez, on est fou. On est fou. Je vois plus rien. C'était le dernier. Ouais. J'ai l'impression. Ça fait pas beaucoup de rôdeurs ici, hein. Ce serait bizarre quand même. Ouais, j'avais envie d'utiliser le pompe, ouais. J'avais envie de mettre des balles, ouais. De toute façon, j'utilise pratiquement pas mes armes à part les flingues, c'est vrai. Hein. Par où on passe là? En fait, des fois j'ai l'impression que tu peux passer des obstacles et des fois pas du tout quoi. Calme-toi, tu veux que je fasse comment pour monter à part. Voilà, ok. J'ai rien dit. J'ai entendu. Il y en a d'autres. Je l'avais dit, c'était pas normal qu'il y ait que ça.
coup machette. Du coup paplard. J'ai les mecs qui tremblent, il faut de loin. Je vais faire un taquet. Comment ça, c'était quoi ce bruit là? Ok, cette fois c'est fini. On dirait que c'est une impasse. Ouais, je crois que t'as raison. Tout ça pour ça, super. Super. Bon, c'était juste histoire de récupérer la note alors. Une bouteille ou quoi que je puisse récupérer au cas où. Nine. Bon, on se casse. Hein. On a perdu de la vie et des balles. Allez, excellent. Jackson. Je déteste ah. Cette putain d'enfoiré. Ouais, m'en parle pas. Bon, on va renager. Hein. J'aime pas trop beaucoup ça. Y'a rien là. Ok, y'a rien. Bon, on peut passer là en haut. Et dans les goûts, y'a rien là. Non, je garde la machette, t'es fou. Je garde la machette, mon pote. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on peut y aller, c'est qu'il y a une raison, non? Non? Non, ok. Tu crois que tu peux glisser là? On va voir. Attention aux infectés. Le méchant monsieur peut-être. Je t'aurais suivi, tu sais. Si tu m'avais dit que tu partais. En fait... Je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serai venu. Merci. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben. T'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi, t'aimes pas les Asiates? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. On va refouiller un peu la zone. Un truc qui vient de... Ouais, il y a ça, mais là... Ah, voilà. Des flèches, mon ami, des flèches. C'est carrément tordu. Montrez ça au rayon enfant. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ah. Ouais, c'est vrai.
Ok. T'avais un livre préféré quand t'étais petite? Ouais. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats de l'espace qui se battent contre... Des fantômes? Des fantômes extraterrestres. Ouais. Ça, ça m'étonne pas de toi. Ok. Et toi, alors, hein? Bah... Ma mère avait qu'un seul livre pour enfant. L'enfant racine. C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son village. D'accord. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait des cauchemars. L'angoisse. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais. Elle est super, Mia. Par contre, elle va péter un plomb en apprenant pour le bébé. Ouais. Je vais bien te croire. Bon. On va bouger de là. On a fait ce qu'il y avait à faire. Ah, t'as encore un truc là. Si okay. Jamais on survit à tout ça. Ouais. Dès qu'on rentre, je te propose qu'on se bourre la gueule et qu'on joue à des jeux de société. Vraiment? Comme si tout était normal. Je suis partante. On les a vus aller mort. Je crois pas que Dina boira de l'alcool. Bah, elle aura qu'à rester sobre. Bordel. Il s'est passé quoi ici? Ces types peuvent vraiment pas se saquer, on dirait. Je crois que ça remonte à plusieurs années. Tu me demandes comment ça a commencé? Wow. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais. C'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo, Jojo, quoi. Ah, c'est pas Jojo, Jojo. Ok, on retourne dans la rue. Ah, vous avez cru cacher ça, mais moi je regarde partout. Ah ah. Et peut-être en dessous aussi. Ah ah. Ah ah. Non, moi je veux juste la pièce. La clé à molette, je la laisse. Je suis plus team machette. Ouais, ouais. Encore une fois, ça va refaire un épisode trop long. Faut que je m'arrête, je continue. Vas-y, attaque-le, merde! On l'a eu! Regardez s'il reste des survivants! C'est du bon boulot, ça. On n'attend plus que l'unité Bravo. Je suis prêt, moi. C'est du sérieux, cette tempête. Ça doit pas être facile de naviguer par ce temps. Mais moi, je compte bien que le premier débarque. T'inquiète. Oh, efficace. Ça, ça va. Hey, maintenant. 7, elle est où ta tête? Putain, elle a un autre là. Ou le dernier. Reste en alerte. Coupé. Touché. Putain de chien. Casse-toi le chien. Et tu tires des fois, Jesse, ou y'a que moi qui dois... Les entre eux ! Extermine-les !
parti où ce con. Allez, viens le chien là. Désolé hein, j'aime pas. C'est chiant de faire ça, mais on est obligé hein. En même temps, pourquoi vous avez des chiens de garde, bande de trous ducs? Ok, je te voyais pas. Là, hein. Bon, en vrai, ça doit être le dernier. Jesse, bouge ton cul. Voilà, ça dégage. Je crois que c'était le dernier. Ouais. Finalement, Jackson, c'est pas si mal que ça. C'est clair. Décidément, la discrétion, c'est pas mon fort. J'ai envie de te dire. T'as le jour où j'arrive à être discret. Ce sera magnifique. Mais pas là, non. Non, pas là, non. Vraiment, on utilise des balles parce que. C'est vrai, comme je dis, j'utilise rien. J'utilise rien. Ah, ça a pris des têtes. Hein. Non, ça c'était le mec de terre là, le séraphite. Il y avait le mec en haut. Ça, on peut pas bouger, non? Ouais, oh, ça va, ça va, ça va. Ils ont pas trop bougé donc. Pour nous, ça a été plutôt facile, quoi, on va dire. Ce sera peut-être pas toujours le cas. Autant profiter, mais bien sûr. Ah, c'est parce que t'avais le snipe, je pense. Le mec au top là. En plus on récupère des mines, que demande le peuple. Que demande le peuple là? Ah, une note. Encore Jules, putain, mais y a que lui. Et Jules, toujours là, si tu dépêches un peu nous rejoindre, car il dit que je suis normal, y'a rien à tonner. Sacré Jules. Ah, il était là le snipe. Sniper. Bah t'as pris une tête que. Ah, 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 ah.
J'aime pas ces passages-là. J'arrive. Est-ce que tu dirais de monter sur ce pont pour se repérer? Ouais, bonne idée. Je suis sûr qu'Abby a choisi l'aquarium exprès parce que c'est chiant d'y accéder. Peut-être. Ouais. Désolé, je parle pas beaucoup. Je suis dedans, tranquille. Oh, un établi. Je suis dedans, quoi. Non, j'ai rien. De toute façon, je peux rien faire. J'ai même pas cette pièce. Laisse béton. Ah bah là, il y en a. Avec 15, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Je pense pas. Enfin non, même pas, j'en ai 35, mais ouais. Laisse béton, mec. Laisse béton. Je pense que j'ai oublié de fouiller un truc là, c'est pas grave. Let's go. J'aime, en fait c'est con mais c'est juste ces petites périodes là d'escalade et tout machin, je kiffe. C'est vraiment un kiff. T'es trop au fond dedans. C'est trop bien. Bah oui. Putain. Comment on va faire pour traverser? On pourrait prendre cette route. Mais putain, ça fait loin. Sinon, y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Viens. Voilà. Ok. On va pêcher le bateau. J'ai jeté une brique d'ici. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? On bute ces types et on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont pas nombreux. À mon avis, ils vont pas être que deux personnages, tu vois. Par contre, j'ai tout touillé plein, mais je peux rien faire en fait. J'ai trop de trucs. Vas-y, je vais refaire un kit. Je sais pas si du coup, ça je peux ramasser. Non, ça oui, ça oui. Pourquoi j'ai changé d'arme? Là-bas, j'ai vu quelque chose. Ah non, c'est un pot de fleurs, ok. J'avais vu un truc briller. Effectivement. Prêt! Oh, quel bordel! Je le crois pas. C'est clair que tout y est pété comme ça, tu sais même pas où t'es, quoi. Attends.
Ouais, j'aime pas trop là l'ambiance là. J'ai pas envie de tomber sur des puants et tout le bordel. Par ici, dépêche. Non, non, non. Direction la marina par le pont. Nous, on reste ici. On attend. Pas de bruit, ni putain. On est censé attendre ici pendant que des gars à nous se font descendre. Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour vous arrêter. Dépêche, je vais me faire griller. Ça, j'y arriverai pas en vrai. Trop compliqué. Tu sors de l'eau, poids mouillé. Putain de merde. Ellie. On peut accéder à la marina par là. Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on a qu'à suivre. Mais si jamais il est dans la merde. Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. Le bâtard. Ah ouais. Ils sont marrants. Ils sont où tous ces enculés là? À la limite, il y a peut-être lui que je peux peut-être défoncer vite fait. Quand j'ai plus de silencieux, fais chier. Ah si, je peux refaire. C'est bon ça. C'est bon. Donc on a que 3 balles. 3 balles mon pote. Stylé comment elle monte les escaliers. Ouais, j'aime bien les escaliers. Trouve un autre angle! Juste là!
fait. Putain. Yo yo yo. Y'a un mec qui était juste là, il s'est barré. Il est là. Quel honneur. On faut mettre des têtes là. Faut arrêter les conneries. Ouais, je suis nul. Je suis nul. Merde. Maggie, Peggy, Jean-Paul. N'empêche, des fois je mets quand même des balles là, tu vois, ça devrait mourir quoi. Quand même. Bon, j'ai plus de bastos, fait chier. Ah, moi il y en avait une là, je crois là. Mais quelque part, il n'y a pas de balle là. Ah là. Il y en a qui me voit depuis tout à l'heure, mais je le vois pas. Ah là, c'était le dernier, ça. Hein ? Logiquement. Ouais. Bon, le bateau. Ouais. Bah on est pas très bon, hein. Va falloir le faire plusieurs fois ce jeu pour être bon sur le shoot, j'ai envie de te dire. En plus c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a tellement de possibilités de... Tu vois, je peux jeter le molotov, m'abaisser, tirer, courir, esquiver, tu peux faire plein de choses. Et je fais juste des trucs basiques à me cacher derrière un mur à tirer, tu vois. Mais le jeu il est plein de ressources, hein. C'est moi qui fais naps. Je le sais que c'est moi qui fais naps. C'est quand même dommage. Bon, on pique le bateau puis on se casse. Et puis je pense que j'arrêterai l'épisode là. Parce que là il fait encore plus d'une heure, je pense. Je pense. C'est même sûr. Des flèches. Bon, il est où son bateau là? Ah, il est là, ok. Est-ce que je vais récupérer des trucs? Oh non, vas-y, on se casse. Là, on se casse. Allez. On se barre. Oula, 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 oula.
What a battle, what a battle. Est-ce que je vais au bon endroit? Je sais pas. Ça va. Il n'y a personne derrière. Bon. On est là quand on Où est-ce que je vais encore me... Ça fait stylé, hein. Tellement beau ce jeu, c'est incroyable. Incroyable. C'est le mode écoute R1 pour trouver le bateau. Ah, ok. Des vivres. On a de la bastos, c'est bien. Ah, ouais, on est bien. On est bien. Du coup, elle est où la grande roue là? Par là-bas, non? Ah, si. J'étais au bon endroit en fait, non? Ah, là peut-être. Je dois pouvoir franchir ça. J'espère que Jesse va venir nous aider. Parce que là, je t'avoue que tout seul, bah c'est. Hein? Un peu moins. Hein? Ouais, ça passe. Ouais! Ouais, super, le feu les bleus, ouais. Fouillage, fouillage. Ouais. C'est-à-dire ramasse, hein, je suis pas venu là pour rien quand même. Comme de par hasard. Bah écoutez, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, on va s'arrêter ici. Et puis on se retrouvera tranquille avec notre super bateau WLF, t'as vu, c'est une nouvelle marque qui déchire. Et puis bah, on continuera là tranquillement. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, ciao, peace.